Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau swatch maquillage. Et aujourd'hui, je vais vous swatcher et vous appliquer le fond de teint minéral Lili Lolo. Alors, ce fond de teint minéral, il se présente comme ceci. Alors, comme d'habitude, je n'aime pas spécialement ce type de packaging car je ne les trouve vraiment pas très pratiques. Enfin bref, ça c'est une question de préférence. Ceci dit, c'est un fond de teint que j'apprécie énormément. Il est vraiment économique, il y en a beaucoup dans la boîte et en plus de ça, il a un effet très très naturel et il est quand même assez couvrant. Donc moi je vais l'appliquer avec un petit pinceau kabuki comme ça et je viens l'étaler directement sur mon visage. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai quelques rougeurs, quelques petites imperfections et vous voyez, ça masque quand même un petit peu les rougeurs que je peux avoir sur mon visage. Hein. C'est vraiment pas mal pour un fond de teint minéral et j'en applique un petit peu sur le fond. Alors il a un effet vraiment très naturel. Apparemment une abonnée m'a dit qu'on pouvait un petit peu augmenter la couvrance en superposant les couches, mais moi je le trouve déjà très très bien comme ça. Et voilà. Alors en tout cas, si vous l'avez déjà testé, vous pouvez me dire en commentaire. Moi c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande si vous avez besoin uniquement d'unifier le teint et pas forcément de couvrir beaucoup d'imperfections. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.